Siguera à la troisième place, Brunner Mirail à la deuxième place et le vainqueur, donc Flavien Morellet. Voilà donc nos trois champions qui rejoignent sous vos applaudissements le devant du podium. Brunner Mirail, Alexis Guerra et Flavien Morellet, donc le nouveau champion de France. La médaille de bronze va être remise maintenant donc à Alexis Guerra, le coureur du Vélo Club de Rouen 76, par M. Gérard Cocampo, donc président de l'OIS, qui va remettre la médaille de bronze à Alexis Guerra. Donc, non, c'est de l'autre côté. Alexis Guerra qui termine à la troisième place et qui reçoit donc la médaille de bronze, le coureur du Vélo Club de Rouen 76, qui est le plus vieux club français puisque créé en 1869. Maintenant, la médaille d'argent va être remise par M. Gilles Dacosta, trésorier général de la Fédération française de cyclisme, qui remet la médaille d'argent à Brunner Mirail, le coureur de l'équipe Occitanie Cyclisme Formation, deuxième au championnat de France contre la montre, deuxième également au championnat de France donc en ligne. Maintenant, le maillot de champion de France va être remis par M. Ludovic Sylvestre, vice-président de la Fédération française de cyclisme, au coureur de Blagnac, champion de France, Flavien Morellet, champion de France 2017. Voilà qui reçoit le maillot. Les félicitations de Ludovic Sylvestre, vice-président de la Fédération française de cyclisme. Et maintenant, donc, Madame Céline Marie-Canard, conseillère régionale Hauts-de-France, va remettre la médaille d'or, la médaille de champion de France, sous vos applaudissements, Flavien Morellet, champion de France, qui va prendre maintenant place sur la plus haute marche du podium. Allez, mon cher Flavien, sur la plus haute marche du podium, entouré donc de Brunner Mirail à la deuxième place et d'Alexis Guerra à la troisième place. Et pour saluer le titre de champion de France de Flavien Morellet, nous vous invitons, mesdames et messieurs, maintenant à écouter l'hymne national. Tous ces coéquipiers de Blagnac qui sont là devant le podium, c'est